Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon vieux Cinejin qui est là pour le WWE Info. Et donc, on va parler tout d'abord de Braun Strowman pour terminer avec Liv Morgan. Mais la transition va être compliquée. On va donc commencer bien avec Braun Strowman. Et alors que tout le monde se posait la question du comportement de Dean Ambrose, assez bizarre, beaucoup n'ont pas vu ce que Brian Alvarez a vu. Le comportement de Braun Strowman, en effet le monstre parmi les hommes, a remporté le match par disqualification, bon là rien de particulier, mais surtout on a senti un Strowman avec des difficultés de déplacement, notamment au niveau du genou, et c'est même Dean Ambrose qui a dû faire tout le travail. Alors il est trop un peu tard, plutôt je veux dire, pour imaginer une éventuelle blessure, mais si à Showdown le Shield venait à détruire Strowman, on en connaîtra déjà la cause. Donc on va terminer avec Liv Morgan. Alors Brie Bella peut quand même respirer. Liv Morgan ne devrait pas, eh bien, être éloignée des rings pendant un certain temps, puisqu'elle devrait revenir sur le ring, même à Super Showdown, puisque oui, eh bien, elle fera bien face à Ronda Rousey et les Bella Twins. C'est d'ailleurs elle-même qui l'affirme via un tweet où elle dit qu'un simple coup de pied ne peut pas la mettre hors jeu. C'est terminé! Et oui, pour le WWE Info, j'espère que l'émission vous a plu. Bien sûr, on se retrouve demain pour plein d'infos. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous tout le monde et à la prochaine!